Nous revoilà les amis, donc comme vous pouvez le voir, j'ai mon stockage de 1000 sur 1000, donc c'est bien 100%. J'ai enfin trouvé comment il faut faire pour acheter de la semence. Donc c'est super cool, trop bien. Donc ben voilà, il y en a un peu plus. Voilà, voilà. Donc je vais peut-être faire 8 sûrement. Parce que pour nous, regarde la vidéo, et pour moi il est assez tard, donc ce qu'il y a c'est que je vais faire une ellipse, donc là ce sera les premiers pas, donc là je vous marquerai comme quoi c'est la semence, je sais pas si je marquerai, mais je veux dire là on sait que c'est la semence, etc. Donc voilà, donc, je vais chercher la semence, donc tout simplement pour la semence en fait ce qu'il faut faire c'est d'acheter du blé et aller sous le silo avec le semoir, et une fois qu'on a sous le silo avec le semoir, on se rend tout seul et voilà. Donc, donc on peut le mettre en remorque, on peut le donner aux vaches, etc. Donc, c'est assez compliqué mais ça se fait. Vous ne comprenez pas comment il faut aller le chercher, vous allez dans les pommes et je vous expliquerai concrètement, même vous ferez voir. Mais bon, on aura bien l'occasion, j'aurai bien l'occasion de vous faire voir à un moment ou à un autre. Là, vous allez le chercher, je ne sais pas si vous prendrez les vidéos, ça vaut le coup de vous montrer. Voilà, ce qu'il y avait cette section farming, vous pouvez faire tour, vous tournez autour du champ, vous faisiez la manœuvre sans lever. Maintenant, on est quand même obligé de le faire. Donc, je trouve ça pas mal. C'est plutôt intéressant parce que bon, avant, ça fait plus réel quoi. Ça donne un petit peu plus de pique à la mission. Comme vous pouvez le voir, et donc, on part. Et le pétrole baisse relativement vite, c'est ce que je remarque. Il faut le faire absolument. Waouh. Donc j'ai beaucoup tourné et testé de gasoil ce soir. Car nous savons que vous allez aller vraiment faire des choses. Mais pour nous, la terre a été évoluée. J'espère faire un semoir pour faire un semoir, et une fois qu'on aura fait un semoir je serai là et on recommencera demain les publications, etc. Donc, moi j'ai trouvé vraiment ce jeu, je ne sais pas si sur les vidéos ça se verra tout simplement. Notre acteur à mesure du terrain. Ça se voit sur la vidéo. Alors sur farming, ça ne le faisait pas. Le semoir, donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que sur farming, on nous donnait toutes les terres, tous les tracteurs. Bon, les tracteurs, on ne pouvait pas les acheter, mais c'est trop cher. Mais on nous donnait tous les animaux. Alors que là, j'ai quelques petits tracteurs faibles, alors qu'après, j'aurais d'autres tracteurs que je pourrais acheter. Même si j'avais, si j'étais fou à lier et pouvoir l'acheter, je ne peux pas. Et non plus j'ai pas toutes les parcelles. Les parcelles, j'ai pas toutes les parcelles. C'est ça qui est assez intéressant dans ce jeu. Je donne un petit côté de pique. Donc c'est assez intéressant. Donc on est quand même déjà à 790 litres. Donc ça va relativement vite le
pouvoir se remettre vite, relativement vite. Ouais, il s'énerve, il se cabre. Donc ça, c'est un effet qui est assez bien fait parce que dans parmi ça ne le faisait pas. Donc, très peu, ça cabrait, mais c'est du cabrage. Et quel cabré, il est tout droit debout et il a des choses comme ça. Alors tu vois, il fait des petits cabrages au démarrage, etc. Tout un tas de... comment dire... de petits détails. D'ailleurs, sur la boîte, c'est écrit « Les soucis de détails ». Et c'est ça qui fait que ce jeu devient très très intéressant et qu'on se passionne à y jouer. C'est assez compliqué dans un sens d'avoir fait ça, d'avoir tout un tas de choses compliquées comme ça. C'est assez embêtant, c'est des contraintes. En même temps, on aime. Moi qui suis assez maniaque dans le jeu de simulation, j'adore ça. Voilà, alors j'espère que ça vous plaira un peu plus, parce que bon, sur ma chaîne, j'espère que vous êtes plutôt des gens qui aiment l'agriculture dans la simulation. Donc je vous ai fait voir du bus, je vous ai fait voir de l'aéroport. Ça, c'était en attendant que je n'ai pas de jeu de simulation, mais là, je vous assurerai que maintenant que j'ai ce jeu, je vous assurerai que, entre guillemets, vous allez manger, pour être poli, manger de la simulation agricole. Moi, ça me plaît et je pense que je vais être plus passionné que vous à faire les vidéos, parce que moi ça me plaît tout simplement. J'adore ça. Et ça me fait plaisir, hein. Alors bon, n'hésitez pas à laisser des pommes et me faire et vous abonner à ma chaîne tout simplement. Comme vous pouvez voir, le tracteur se salit relativement vite. Donc c'est un détail qui est, ben moi j'aime ça quoi, c'est plus salisse, c'est assez bien. Donc ce qu'il y a, c'est que si, moi je me suis toujours dit que si une carte on la comprenait vite, c'est que le jeu est assez basique. Et sur farming, c'est vrai qu'au bout d'une dizaine d'heures de jeu, j'avais compris la principe de la carte. Là j'en suis à 4 heures de jeu, et la carte est assez floue pour moi. Donc c'est le souci. Et puis bon, on commence pas avec des vieux pétrolettes comme dans Farming, on commence déjà direct avec des gros tracteurs. Donc, c'est pas les meilleurs tracteurs du jeu, hein, je pense. Si moi j'arrive à me payer ça au début, c'est qu'après il doit y avoir des gros tracteurs. Mais bon, on commence quand même avec des gros tracteurs relativement rapidement. Donc voilà. Alors comme vous pouvez voir, là il y a une différence de couleur. Donc arrivé à la différence de couleur, ben, on aura fini pour le semis. Sera fini. Donc semis, voilà, il y a fertilisé. Par contre, je ne sais pas comment fertiliser. Je ne sais pas si c'est une nouvelle fois. Ah oui, mais fertiliser, c'est pour mettre du fumier. D'accord. Bon ben la prochaine fois on mettra du fumier. C'est intéressant. J'espère que ça va partir à semis. Ça va que je perds, ça va pousser. Donc aussi l'effet des traces est assez intéressant dans ce jeu, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc moi je suis vraiment passionné par ce jeu. Et la première minute que j'ai joué, les proches de ma famille pourront dire, mais je ne faisais que dire et répéter en boucle. Ce jeu est génial. Parce que tout simplement avec ses effets, donc je ne connais pas assez le jeu pour vous faire une petite fiche technique. Alors je peux vous dire la base, hein, que c'est créé par UIG. Alors après, je peux pas vous dire tous les gens qui sont dessus, mais après je peux vous dire les gens qui ont signé. Les entrepreneurs qui ont... donc FEN, etc. Donc il y a donc, ceux qui ont signé. Le jeu a été payé, ça a été donc une bonne réduction de manœuvre. Donc c'est donc, il y a Challenger, Fint, Massey Ferguson et Valtrax. Donc moi j'ai un Valtrax actuellement. Donc je n'ai pas de je ne pense pas, mais là.
Donc là, je suis déjà à 153 nuits, donc ça baisse relativement vite. Ah oui, et j'avais oublié de vous dire, je sais pas si vous avez dit quand je jouais à Farming, que Farming avait un camp simplement. Comment dire quand. C'était un ouvrier qui travaillait. Le saumoir, il pouvait semer toute la carte et rester à 100%. Donc c'était un bug, mais pour moi c'était plutôt intéressant. Hein. Donc je ne sais, je pense que ce jeu il a été fait parce que c'est l'agriculteur 2012, l'agriculteur simulateur 2012, donc il a été fait en 2012, enfin, il a été publié pour 2012, et c'est le Deluxe, donc du coup il ne doit pas être bien vieux. En fait il doit être bien vieux ce jeu. Je ne sais pas s'il est vieux, parce que je me rappelle qu'on est Agrar Simulator 2012, mais je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas le Deluxe. Et je pense que, parce que Agrar, c'est, comme vous pouvez le remarquer, c'est la même carte. Sauf que celle-là est un peu plus grande et en mode définition. C'est ça qui est plutôt intéressant, j'imagine, dans le jeu. C'est que la surambiance est plutôt magique. Ça, c'est, ça n'a rien à voir, c'est juste un développe qui est. Voilà. Bon, bah alors, j'espère que ce jeu moi, il me passionne. Je pense terminer ça assez rapidement parce que je pense que c'est assez long. Que ça a été assez long déjà cet épisode et j'espère que je ne vais pas continuer. Au pire, je couperai au milieu et je repartirai derrière. Et je ne sais pas si je ne dirai pas en fait. Mais c'est pour la rapidité. Tout simplement sur la licence. Sur la licence, j'ai une licence 15 minutes. Donc je crois qu'au bout d'un certain temps, on peut craquer la licence YouTube pour pouvoir mettre des vidéos de 1 heure, 2 heures, etc. Voilà, donc c'est assez... quand j'ai débuté la vidéo avec lui, on peut voir le plusieurs briller maintenant. Les relations sont sales, les gardes sont sales, le relevage est sale, les roues sont sales, c'est sale. C'est un primordial. Dans Farming il l'avait fait mais il fallait télécharger un mode. Alors j'espère que sur ce jeu les modes seront plus faciles à télécharger tout simplement. Pouvoir utiliser les modes assez rapidement. Donc là comme vous pouvez voir encore un rang et d'avoir fini. Il va falloir que je vois la boue. Comme ça, je vous donnerai l'occasion de pouvoir vous montrer. Il faudra que je repasse le cultivateur. Le cultivateur. Et le cultivateur et après le saumon, comme là, je suis comme à l'instant. Donc, je pense que je vais faire une vidéo avec le cultivateur. Je n'ai pas du tout regardé le temps. Donc je vais vous laisser cette vidéo et je vais vous dire bye bye. Et à la prochaine.